Message de la part de la personne de ton cœur, ton ex, ton crush, ton ou ta chérie en lien avec ton signe astro. Tu te poses une question par rapport à cette personne, et bien pour le coup, tu vas avoir la réponse à cette question. Alors, tu penses bien bien fort à la personne de ton cœur et on découvre ça ensemble. Alors, toi qui es lion, tu penses fort? Ce n'est qu'une question de temps. Tu pourrais être surprise ou surpris du moment choisi. Ah, on sent qu'il y a quelque chose d'assez sympatoche qui se prépare à toi, mais en fait, tu ne le vois pas encore. Pour toi qui es poisson. Bon, absolument pas. Cette situation ne vous mènera nulle part. Tu as déjà trop perdu de temps. Tu dois prendre une décision radicale et avancer. Tu vas prendre une décision radicale par rapport à la personne de ton cœur. On voit que la situation, t'es un peu comme si tu étais dans une voie sans issue et tu perds trop de temps. Il va falloir que tu lâches prise et surtout que tu prennes une décision. Pour toi qui es cancer. Alors, je pense que tout sera mis dans la même vidéo, hein. Pour le moment, je ne vois aucun changement concernant ce sujet. Ne perds pas espoir et profites-en pour découvrir ta propre âme. Bon, cancer, on est en train de te dire qu'il va falloir que tu apprennes à encore plus te connaître, savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. En tout cas, on te dit que ce n'est pas vraiment le bon moment. Capricorne. Je sais que tu n'y croyais plus, mais accroche-toi encore un peu. Car cela est sur le point de se concrétiser. Regarde, l'œuf est en train d'éclore. Ce nouveau départ te sera bouleversant pour toi, mais aussi pour la personne de ton cœur. Donc, continue à t'accrocher, rien n'est perdu. Bélier. J'en ai fait combien ? Oh. Pour le moment, je ne vois aucun changement concernant ce sujet. Pareil, comme pour les cancers, connecte-toi à toi, découvre ce que tu souhaites, ce que tu veux, et tu sauras dans quelle direction tu devras aller par rapport à cette personne. Nos amis les Vierges. Personne ne sort vraiment gagnant ou perdant dans ce genre d'histoire. Bon, on sent que c'est quand même un peu compliqué. Il y a certainement de la toxicité, en tout cas des choses qui ne sont pas en accord ni avec toi, ni avec la personne de ton cœur. Et que vous n'allez pas en sortir gagnant ou perdant. On sent que ça va s'estomper, s'essouffler avec le temps. Gémeaux. Pour nos amis Gémeaux. Oui. Ce n'est qu'une question de temps, tu pourrais être surpris du moment choisi. Ah, on sent beaucoup de surprises encore qui se présentent pour toi. Scorpion. Non, malheureusement, Mère Nature a d'autres projets pour toi pour le moment. Bon, ce n'est pas encore prévu pour toi, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Mais on te dit qu'au jour d'aujourd'hui, ici et maintenant, ce n'est pas pour toi. Tout de suite, tu as d'autres choses à faire avant. Taureau. Non, mais au moins, tu seras débarrassé de toutes ces histoires pour de bon. En gros, on est en train de te dire que rien. Il y a le troisième œil et il y a un serpent qui se mord la queue. On est en train de te dire non, mais en fait, ça va te permettre de te débarrasser certainement des choses que tu ne veux plus. Parfois, s'accrocher à une personne qui n'est pas bonne pour nous. L'univers nous pousse quand même à terminer ça. Verseau. Pour toi qui es Verseau. Oui, mais cela prendra du temps. Tes nerfs seront mis à rude épreuve, mais ça en vaut la peine. Ah, regarde, il y a une carpe koi. Et elle remonte vers cette fleur. Donc, on te dit oui, mais ça va prendre du temps. Donc, prends ton mal en patience, même si du coup, tu vas être mis à l'épreuve. Sagittaire. Hop. C'est évident, mais la patience est mère de toute vertu. De plus, ce n'est pas le genre de choses que l'on planifie. Qu'est-ce que tu veux avec cette personne? On te dit que c'est évident, mais qu'il va falloir que tu sois patiente ou patient. C'est peut-être quelque chose que tu dois apprendre.
Et pour les derniers qui sont balance. Oui, c'est certain, mais pour cela, tu dois apprendre à te faire confiance. Alors, si tu as envie de faire le premier pas, vas-y, mais en tout cas, on attend quelque chose de ta part.